Le Kilimandjaro, que les neiges revêtent d'un blanc manteau, est un volcan haut de 5893 mètres. On prétend que c'est la plus haute montagne de l'Afrique. Sur le flanc ouest, près du sommet, se trouve la carcasse congelée et desséchée d'un léopard. Personne n'a su expliquer ce que le léopard cherchait à cette altitude. Les sales bêtes. Je me demande s'ils sont guidés par leur odorat ou par leur vue. Ils étaient là avant que tu ne tombes malade, ça ne veut rien dire. Ce qui est formidable, c'est que j'ai moins mal maintenant. Ah oui, vraiment? Oui. C'est à ça qu'on voit que ça commence. Ce sont de sales oiseaux. Mais ils connaissent leur affaire. Au début, je regardais attentivement leur façon de planer, au cas où je voudrais les utiliser pour un récit. C'est drôle. Parce que ça peut être énervant de rester là, ne pouvoir rien faire. Au moins, ne nous compliquons pas la vie jusqu'à ce que l'avion arrive. Ou jusqu'à ce que l'avion n'arrive pas. Monsieur Johnson ne serait pas un chasseur blanc depuis un quart de siècle s'il ne savait pas se débrouiller. S'il n'obtient pas d'avion, il reviendra avec un autre camion. Bon, d'une façon ou d'une autre, ça n'a pas grande importance. Je me sens si impuissante. Si seulement je pouvais faire quelque chose. Tu peux m'enlever la jambe ou m'abattre d'un coup de feu. Tu tires très bien. Je t'ai appris à tirer, pas vrai? Ne jouons pas le mélodrame, Marie. Tu ne vas pas mourir. Non, je suis déjà mort. Demande-leur. Il tourne autour de tous les campements, on ne les remarque jamais. Je ne comprends pas pourquoi il a fallu que tu te blesses à la jambe. Qu'avons-nous donc fait l'un ou l'autre pour qu'il nous arrive une chose pareille? Moi, je suppose que ce que j'ai fait, c'est oublier de mettre de la teinture d'iode quand je me suis égratigné. Nous poursuivions des impalas, au cas où tu aurais oublié. Et avec une caméra, en plus. Aïe! Oh! Oh! Ce
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et ce n'est pas comme ça que tu t'es blessé. Non. Jamais de la vie. C'est sur le lac, la semaine dernière. Sur le lac? Oui, souviens-toi. C'était une merveilleuse et paisible journée. Et ces énormes hippopotames batifolaient. Nous aurions pu passer à côté sans incident. Mais non, il a fallu que tu t'en mêles. Wenga, Wenga, go a Wakulia. Regarde ce troupeau là-bas, il y en a 100 au moins. Harry, regarde celui-là. Bessie, Bessie, ça est là. Harry, je ne me risquerai pas à aller plus près. Nassa, arrivez-vous. Harry, fais attention. Bon, voyons, tu as peur? Parle-moi du monde! Ah, très bien, alors en avant! Nassa, Haribou! Allons! Allons, allons! Harry, du calme! Vous cherchez les embêtements! Harry, regarde! Là! Attention à la caméra. Tu as tenu absolument à porter le garçon dans tes bras jusqu'au campement. Et c'est son sang et la vermine qui t'ont amené cette infection. C'est un point de vue, bien sûr. D'après toi, c'est dû à un contact avec les classes inférieures. Moi, comme écrivain, je préfère me dire que le sort m'a fait une blague, qu'une épine m'a égratigné et a abattu l'homme glorieux. Qu'importe à présent. Harry, je t'en prie. Molo! Whisky soda! Apporte le presto, c'est Molo! C'est mauvais pour toi. Non, pas du tout, c'est bon pour toi. Ce n'est pas bon pour toi. Non, c'est mauvais pour moi. On pourrait peut-être le mettre en musique. Ton amour serait-il mauvais pour moi? Oh, de la poésie. Oh, je suis bourré de poésie maintenant. De pu et de poésie, tu parles. Harry. Poésie puante. Oui. Harry. Le livre des premiers secours dit qu'il faut éviter tout alcool. Ce n'est pas bon pour toi. C'est un poison qu'il faut que tu supprimes. Il faut que tu fasses tout ce que tu peux. Oh, fais-le, toi. Je suis trop fatigué. Je prends ça. Ne serait-ce que pour que tu ne l'aies pas. Oh, tu sais, c'est une bonne règle de vie, au fond. Prendre tout ce qu'on peut, ne serait-ce que pour qu'un autre ne puisse pas l'avoir. J'aurais dû m'y conformer. Je suis sûr que Molo nous comprend beaucoup mieux que tu ne l'imagines. Molo. Indio Buana. Fiche le camp ou bouge-toi les oreilles pour ne pas entendre les gens civilisés se disputer. Fiche-moi le camp.
M'toko. Indio buana, mimi m'toko. Harry, si tu te crois obligé de mourir, trouves-tu absolument indispensable d'exterminer tout ce que tu laisserais derrière toi? Tu crois que ça m'amuse tout spécialement? Je ne sais même pas pourquoi je le fais. On essaie de tuer pour survivre soi-même, j'imagine. Mais tu ne mourras pas, si seulement... Ce n'est pas tellement mourir qui est important. Non, c'est de mourir en raté qui laisse un mauvais goût dans la bouche. Pour échouer comme ça, comment s'y prend-on? Est-ce que je t'ai jamais parlé de mes débuts dans la vie? De ma jeunesse? Avec mon premier amour? Non, jamais. Je ne suis pas sûre que cela m'intéresse. Je vais te raconter tout ça en buvant ce verre. Raconte-le-moi sans boire. Ben, il y a pas mal de choses que tu as de la veine que je ne t'ai pas racontées. Il y avait de tout dans ce roman d'amour. Drame, tragédie, trouble et poésie. C'est simple, tout. Oh, assez, assez, encore des grands mots. J'en ai assez d'être traité comme une rien du tout. Fichez-moi la paix, tous les deux. Claudie, l'oncle Bill ne voulait pas dire Oh, si, c'est ce qu'il veut dire et tu le sais bien. Ce vieux jeton, ce vieux paillard plein de suffisance et de fiel. Mais tout ce qu'il dit, c'est qu'on devrait attendre. Oh, attendre, c'est drôle de t'entendre dire ça. Mais je n'ai pas dit... Parle que tu ne l'as pas dit. Pas même une seule fois cet été, quand tu voulais me prendre dans tes bras et m'embrasser. Et ces endroits où tu voulais m'emmener, nos projets d'avenir. Pas une fois, tu m'as crié que j'attende. Moi, je t'aime, toi. Tu ne sais même pas ce que c'est que l'amour. Claudie. Oh, assez, fiche-moi la paix. Reviens, Harry, elle se calmera. Claudie, je t'aiderai à te lancer. À me lancer, tu veux dire à me balancer? Tu as toujours l'intention de devenir écrivain? Oui. Eh bien, il y a différentes sortes d'écrivains, tout comme il y a différentes sortes de tout. Tu peux devenir un besogneux. C'est facile. Vends du savon de porte en porte. Rien à reprocher à la vente du savon. On peut faire fortune. Mais je vais te dire la seule bonne façon de t'attaquer à l'art d'écrire. C'est comme la chasse. Une chasse où l'homme doit faire affronter à son cerveau les forces de l'ignorance et du mal. Une chasse perpétuelle, une chasse où l'on est seul. Et le gibier, c'est la vérité qui vaut d'être dite. La foi pour laquelle on vit. Quelque chose qui vaut qu'on y laisse sa peau. Que l'on traque seul, sans l'aide de personne. Je ne sais pas si tu seras homme à avoir la force de t'y coller. À suivre la piste sans savoir où elle aboutit. À rire des peines et des souffrances. Des enfers à traverser. Si tu es de taille, que Dieu te protège, que Dieu ait pitié de toi. Et bonne chance. Seulement, je te demande de ne pas partir perdante à l'avance en te chargeant d'un excédent de bagages. Ça n'en garde que moi, je crois. Oui. Oui, en effet. Tu sais, tu es jeune. Tu as besoin de voyager, d'apprendre. Et de t'instruire. Je voudrais t'aider. Je crois avoir clairement exposé les conditions. La semaine prochaine, c'est ton anniversaire. Attrape. Désormais, considère ce Springfield comme étant le tien. Nous chassons le caribou demain. Le temps est propice. Oh, j'ai une vie formidable. Et où est-ce que ça m'a mené?
un campement en Afrique, avec toi, ma riche et merveilleuse épouse. Et avant toi, combien y en a-t-il eu d'autres? C'est ça, voyager seul. Hein, tu parles, oui. C'est comme tu voudras, Harry. Moi, je vais tuer un peu de gibier, le garde-manger est presque vide. Je vais mettre mes bottes et appeler Molo. Oh, Hélène, tu as tort de faire attention à ce que je dis, c'est vrai, chérie. Je t'aime, tu le sais. Je n'ai jamais aimé personne comme je t'aime. Tais-toi, ça suffit, Harry. Or, avant de partir, viens ici. Viens. Embrasse-moi. Et laisse-moi ça. Harry! Pourquoi faut-il que tu te transformes en démon? Si je ne peux pas mourir en paix, j'essaie de mourir en délirant. Comment t'aider si tu refuses de t'aider toi-même? Comment ça, en m'endormant? Très peu pour moi. J'aurai bientôt suffisamment de sommeil. J'ai de quoi occuper le peu de temps qu'il me reste à vivre, à réfléchir. Alors je te laisse à tes pensées. Seulement cette fois, mets-en quelques-unes d'aplomb. Oh, la paix, va tuer. Nous ne sommes bons qu'à ça, nous deux. Abdullah! Abdullah! Va chercher le Springfield! Va chercher le Springfield! Et les cartouches à balles! Et les cartouches à balles! Des as du piano à bretelles. Je les ai engagés à... Combien de verres as-tu servi, Émile? C'est pas, voyons, j'ai servi. Oh, par exemple! Oh, Émile, bonsoir. Oh, ça me fait plaisir de vous voir, monsieur Harry. Comment ça va? Comme vous voyez. Bonsoir. Allez. Ah, comment ça va? Ça va, merci. Qu'est-ce que vous désirez, monsieur Harry? Ce que je désire, beaucoup de choses, mais pour l'instant, une fille. Une fille? Une fille. Et de la bonne bouteille. Je vous jure que c'est vrai. Et c'est juste à ce moment-là qu'il s'est aperçu que c'était sa femme. Salut, Compton. Harry, où en est ce roman? Comme tous les autres romans, il n'est pas fini. Tu as eu du cran de lâcher ta situation pour l'écrire, tu sais. Est-ce que tu permets que je te supplante? Ah, rabats ton gibier toi-même, mon vieux. Harry, vous ne restez pas? Ma foi, il s'agit d'éviter un nez cassé, mais... Le mien ou celui de Compton? Parce qu'un rire comme celui de cette fille conduirait sûrement à une sale bagarre. Bonsoir. Thank you.
permettez. Merci. Je suis Cynthia, Cynthia Green. Cyn, c'est gentil, ça. Quand êtes-vous entrée? Oh, il y a pas mal de temps. Que le cric me croque. Tout droit de l'Afrique centrale. Je m'appelle... Harry Street, Chicago Tribune, écrivain. Ex-Chicago Tribune. Et j'essaye d'être écrivain. On dit exactement le contraire. Vous permettez? Tout le monde essaie de faire quelque chose ici. Ou du moins, essaye d'essayer. Vous, qu'essayez-vous de faire? Vous essayez de peindre? Non, je n'essaie pas de peindre. Alors, vous essayez de sculpter? Non, je n'essaie pas de sculpter. Alors, vous essayez d'écrire aussi? Non, j'essaie d'être heureuse, tout simplement. Voilà, tout le monde essaie de faire quelque chose. Je parie que je suis la seule personne ici qui essaie d'être heureuse, tout simplement. Enlevez-moi ça, voulez-vous? Il m'arrive parfois de boire trop. Rien n'est défendu dans la poursuite du bonheur. Oh, je ne suis pas complètement désœuvrée. Je pose de temps en temps. Pour ce que ma vieille fille de tante appelle l'intégrale? Oui, parfois. Il faut nous débrouiller, chacun avec ce qu'il a reçu en partage. Oh, cet Africain est un vrai barbare, vous ne trouvez pas? Excusez-moi, je suis mal élevé. Êtes-vous la chérie de Compton? Non. Je ne suis pas la chérie de Compton en particulier. Je ne suis même pas sa chérie du tout. Je suis ma propre chérie. Alors, ça vous dirait que vous et moi, nous nous barrions de chez ce barbare? Je suis persuadée que ça me plairait beaucoup. Je n'ai écrit que ce premier roman à Paris. Ce Paris que j'aimais tant. La place de la Contrescarpe, où les fleuristes rafraîchissent leurs fleurs pour leur donner une artificielle rosée. Et les enfants qui jouent dans les rues au soleil du printemps. Et le marchand de bois et charbon. Il vendait du pinard aussi, bien mauvais. Et la tête de cheval en or devant la boucherie chevaline, où les quartiers d'or jaune et rouge pendaient en vitrine. Et la coopérative peinte en vert où nous achetions notre vin. Du bon vin et pas cher. Notre appartement se composait d'une pièce et demie, et c'était là que je travaillais. Cynthia se chargeait du ménage. Et ensemble, nous faisions tout ce qui constitue une existence. Déjeuner est servi. Bonjour. Viens ici. Nous faisions de longues promenades dans ces quartiers pittoresques où tout le monde se connaissait, où tout le monde travaillait,
Et c'est là que je terminais mon premier livre. Un bon livre. Le début de tout ce que je me croyais appelé à faire. Et je l'avais intitulé « La génération perdue ». Sans savoir à l'époque à quel point il tournait autour de ma Cynthia. Roman et il va être publié. Non. Si. Et maintenant nous pourrions. Combien donne-t-il d'avance? Le chèque. Oh. Fais voir combien. Ma foi, c'est pas énorme, mais c'est pas négligeable non plus. Oui, tu as raison, ce n'est pas énorme. Mais ça ira, en se serrant un peu. Oh. Maintenant on peut louer cet adorable appartement d'un an sur la maintenant, Seine. Maintenant on peut aller en Afrique. Et je n'ai jamais rien connu qui vaille ce premier séjour en Afrique. Ils sont trois. Un mâle et deux femelles. Bon! Ndomi Boana. Ibsori. Sana. Il dit que c'est un beau mâle. J'ai très bien compris. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. On va prendre le vent et les rapprocher. N'est-ce pas autour de la même saïd de tirer la première? Oh non, non, je n'en ai pas envie. Vous avez tout à fait raison, monsieur Johnson. Non, c'est catégorique que je ne veux pas. Allons-vous tirer à la perfection, Bundukina, men saïd. Vas-y, c'est un coup facile. Ne t'énerve pas. Imagine-toi que ce n'est qu'une boîte à conserve. Ce n'est pas une boîte à conserve, Harry, je ne veux pas. Tire pas à cette distance. Attention, ne les effrayez pas. Attention, fixe-le carrément dans ton viseur. Reste immobile et tire. Oh, Harry, chérie, je t'en prie, tu m'énerves. Oh. Allons, ne t'endors pas. Mais tire donc, nom d'une pipe. Tu l'as manqué. Je te l'avais dit que je ne voulais pas tirer. Il n'y a pas de mal, ça peut arriver à tout le monde. Nita Maillie. Je ne me suis jamais proclamé chasseur, c'est toi le chasseur. Oui, et vous, le grand chasseur blanc. ça va, madame Buffalo Bill. Tiens, bois un peu. Ne laissez pas le maître vous dompter. Alors, est-ce qu'on y va? Il s'est caché par là. Qu'entends-tu par on y va? Où pensez-vous qu'il va sortir? Je n'irai pas et je ne veux pas que tu y ailles, j'ai peur. Tu as dû probablement le faire à moitié crever de terreur, ça sera un jeu d'enfant. Très bien, si tu y vas, j'y vais aussi. Oh, jamais de la vie, n'est-ce pas, monsieur Johnson? C'est vous le mari? Tu vas rester ici avec Simba. Je plaisantais simplement. Harry, alors tu ne m'embrasses pas? Le baiser d'adieu? Ouais, quelle prodigalité. Reste ici et n'aie pas peur. Simba, même ça, il l'aura à Karanema. Kifaro, même ça. Kifaro. Harry! 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 Va-t'en vite! Ne reste pas là! Harry! Dépêchez-vous, dépêchez-vous! Harry! Ah,
Cabana, Rudy Manson, Rudy, Rudy, Rudy Manson. Arrive. Un bon moment, celui où la bête sort de la brousse et fonce sur vous. On dirait que mille choses arrivent à la fois. C'est toujours comme ça? C'est très simple. Ou on se défend, ou on se débine. Ce n'est pas du tout simple. On pourrait écrire pas mal de choses là-dessus, si on pouvait le fixer bien. Des sensations différentes aux différents moments. Aujourd'hui, c'était comme une explosion de la plus pure des joies. Comme un barrage qui se rompt. Pourquoi faut-il que tous ceux qui viennent en Afrique éprouvent le besoin d'écrire un livre? Une espèce de ballot m'a même dédicacé le sien une fois. Il n'est jamais revenu, sinon je lui tirais dans les fesses. Vous ne pouvez pas parler d'autre chose, même le soir. Voyons, nous ne faisions que parler de ton Rino. Ce n'était pas le mien. Ah, si, entièrement. Nous lui avons simplement donné le coup de grâce. Personne ne veut jeter encore un coup d'œil sur cette corne? Ça fait pas mal, cette corne. Qu'est-ce qui se passe avec moi, Monsieur Johnson? Tout le monde n'est pas obligé d'aimer l'Afrique, vous savez. J'essaie de faire bonne figure parce que je sais qu'il l'aime tellement. Mais tout cela, toutes ces chasses, ces tueries, cela me terrifie. Voyez-vous, toutes ces choses dont Harry vous parlait, cette exaltation, appelez ça courage, ces impressions sont des impressions d'homme. Chez un homme, c'est normal. Ça naît dans un homme et ça en fait un homme. Il n'y a pas de quoi s'en glorifier tout spécialement si on l'a. Mais il vous manque quelque chose si on ne l'a pas. Une femme manifeste son courage par d'autres moyens, beaucoup d'autres moyens. J'ai une autre peur maintenant, pire. Je vais être maman. Quoi? Nous sommes venus en Afrique chercher des trophées. Harry a le sien et j'ai le mien. Mais c'est assez naturel, ça, n'est-ce pas? Dois-je le lui dire? Qu'en pensera-t-il? Monsieur Johnson, quand j'ai connu Harry, votre verre est vide? Non, merci. Je vais en prendre. Toute ma vie, je n'ai fait que dériver, sans personne, sans foyer. Je n'avais pas de situation stable, aucune sécurité. Mais quand j'ai appris à connaître Harry... Si seulement vous l'aviez vu à Paris. Est-ce que vous connaissez Paris, Monsieur Johnson? Non, ce n'est peut-être pas naturel, mais je n'en ai jamais eu envie. Ça ne fait rien, vous l'avez vu ici. Bref, j'étais là-bas, faible et gênée. Et il y était, fort et sûr de lui. Et toutes les fibres de mon être s'écriaient, ça y est. Et quand je m'installais chez lui la première fois, je pensais que le bonheur, c'était de le regarder le plus que je pouvais. Il me suffisait de rester là et de m'accrocher à ma sensation de sécurité. Mais Harry ne restait jamais en place, même au travail. À peine a-t-il eu fini son premier livre qu'il m'annonça que nous allions en Afrique. Je ne voulais pas bouger, mais je sentais que je perdrais quelque chose en le lui avouant. Et maintenant, il parle déjà d'aller visiter d'autres pays. Et je crois que si je lui parle de cette encre, de cet enfant, de cette charge de responsabilité, ce n'est pas de richesse que j'ai envie. Vous pouvez me croire de rien de tel, mais de lui, comme un rocher auquel m'accrocher. Alors, dois-je le lui dire maintenant et risquer de commencer à le perdre? Ou remettre à plus tard et voir ce qui arrivera? Il ne me suffit donc pas de guider de la bleusaille dans une expédition de chasse?
Faut-il encore que je sois une nounou? Soyez Monsieur Johnson, mon ami. Vraiment? Je vous en prie. Eh bien, voyez-vous, je ne suis qu'un chasseur. Je ne peux vous répondre que comme un chasseur. Mais c'est quand on s'enfuit qu'on a le plus de chance de tomber. Il y a peut-être des cornes plus belles dans les musées. Mais 80 cm, ce n'est vraiment pas trop mal. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Tiens, qu'est-ce qu'il a tout à coup? Il va se coucher. Oh, c'est trop tôt. Allez, viens, il fait trop beau ce soir. Ah, je me demande si je connaîtrai jamais des jours aussi parfaitement heureux. Marie. Écoute, écoute ça. Quelle jolie petite berceuse, n'est-ce pas? C'est inimaginable ce qu'il y a de choses là-dedans. Faim, haine, amour, peur. Dès votre retour à Paris, voyez votre médecin habituel. Je suis sûr qu'il confirmera ce que je vous ai dit. Il vous faut du calme, pas d'agitation, pas d'énervement. Vous devrez passer de nombreuses heures au lit, probablement. C'est clair? Oui, c'est très clair. Bien des femmes sont ainsi faites. Mais si vous tenez suffisamment à avoir l'enfant, ce n'est pas un trop gros sacrifice, n'est-ce pas? Voulez-vous que j'en parle à votre mari? Oh non, je le lui dirai moi-même. Merci, docteur. Bonne chance. Merci. Oh, donnez-moi ça. À Sunday, même ça. Vous n'avez qu'à poser ça là. Oui, chérie. Hein? Je croyais... Sur la table, Saïb. Regarde ce qui vient d'arriver. Une lettre de mon éditeur avec un chèque. Ça n'est pas énorme, mais c'est un chèque. Comme ça, tout va s'arranger pour le mieux. Oui, quoi, chérie? Tout, bien sûr. Au fait, qu'est-ce qu'il a dit, le Toubib? Rien de grave, n'est-ce pas? Tu n'as pas attrapé de fièvre. Non, je... Tu vois, c'est ce que je te disais. Tout ce qu'il te faut, c'est un changement de climat. Nous irons tout droit à Madrid voir les grands matadors et les grecos du Prado. Puis on file à Pamplune pour assister à la fiesta. Harry... Ça se goupille merveilleusement. Chéri, si on rentrait tout bonnement... Rentrer? Où ça? Oh, tu veux parler de Paris? Mais... Pourquoi? Comme ça, simplement. Écoute, chérie,
On peut louer un petit appartement avec le chèque, avec une pièce où tu travaillerais. Tu n'es pas forcé d'aller en Espagne, n'est-ce pas? Mais non, chérie, je ne suis pas forcé d'aller en Espagne. Ailleurs non plus, du reste. Mais ça te plairait. Écoute, Cynthia, tu vas sans doute me prendre pour le plus poussiéreux des académiciens. J'essaie de devenir un écrivain. C'est le rôle d'un écrivain de vadrouiller, de voir les choses par lui-même et non de se caler les fesses confortablement et de puiser dans une pile de bouquins pour trouver une œuvre à plagier. Et après l'Espagne? Comment puis-je savoir? Je veux dire, tu ne voudras jamais d'une vie normale, alors? Mais je me tue à t'expliquer ce qu'est la vie normale pour moi. Avoir peut-être des enfants. Des enfants? Chérie, avoir un enfant est mon plus cher désir au monde. Quelque chose de bien à moi, à quoi me raccrocher. Oh, mais bien sûr. J'adore les gosses, mais plus tard, nous avons le temps quand même. Écoute, Sin, le monde est un marché dans lequel on achète ce qu'on veut. Et pas seulement avec de l'argent, mais avec un tas de choses. C'est un échange. Tu donnes quelque chose et tu reçois quelque chose. Moi, je donne une partie de ma vie pour recevoir quelque chose dont j'ai besoin pour mon métier. Plus tard, on pourra s'offrir ce qu'on pourra s'offrir. C'est tout simple, tu vois? Je vois. Je te sers à boire, chérie. Mon Dieu, c'est peut-être un peu trop tôt, tu ne trouves pas? Je trouve que c'est le moment idéal, personnellement. Aucune objection? Non. Écoute, Sin, si tu tiens tellement à aller à Paris, eh bien, tu n'as qu'à y aller. Quoi, sans toi? Oh, je ne dis pas que cela me ferait plaisir. Je dis seulement que tu peux y aller si tu veux. Et si c'est une question de vie ou de mort, eh bien, dans ce cas, j'irai avec toi. J'irai changer les billets. Monsieur Street? Oui. Je suis le docteur Simmons. Enchanté, docteur. Comment va-t-elle? Je suis navré de vous dire que l'enfant est perdu. L'enfant? Vous ne saviez pas, monsieur Street? Qu'y a-t-il eu exactement? On m'a simplement dit à l'hôtel qu'il y avait eu un accident. Elle a fait une vilaine chute, mais elle sera rétablie après quelques jours de repos. Vous voulez vraiment dire que vous n'étiez pas au courant pour l'enfant? Vous ne bavardez donc jamais ensemble? Fais ça exprès. Non, c'était un accident. Tu l'as fait à cause de ce que je t'avais dit. C'était un accident, j'ai trébuché. Tu n'avais absolument pas le droit de le faire. C'était mon enfant aussi, tu sais. Oh, tais-toi, chérie. C'est... espèce de... stupide petite chérie. Oh,
maintenant, on peut aller voir les corridors. Celle-ci, j'ai eu des places tout en haut, ça te plaît? Comme tu voudras, mon chéri. De cette place, tu pourras voir l'ensemble du spectacle. Je dois dire que ça en vaut la peine. Chérie, je crois que ce danseur ne me trouve pas mal. Bon, le danseur ne te trouve pas mal, et moi aussi, chérie. Oui, mais son désir est neuf. Et le tien est vieux. Une vieille, vieille histoire qui touche à sa fin. Qu'est-ce que le télégramme dit, Harry? Voyons, chérie, ne fais pas l'enfant. Tu l'as lu. On m'offre de partir pour aller faire un reportage sur les désordres de Damas, où s'affrontent les Syriens et les Français. Oui, c'est ce qu'il dit, mais ce n'est pas ce qu'il signifie. Il signifie que je commence une vie nouvelle sans toi. Oh, voyons, c'est ridicule. Alors, pourquoi ne me demandes-tu pas de t'accompagner? Chérie, il y a une guerre là-bas. Il va y avoir une guerre ici aussi, ici, à cette table même, et une charmante petite guerre, je dirais. Chérie, tu ne devrais pas trop boire. Non, non. Il y a un tas de choses dont je ne devrais pas abuser. Je ne devrais pas trop t'aimer, je ne te vaux absolument rien. Oh, dire que nous nous aimons tellement et que nous nous entendons pas. C'est absurde, chérie. J'abuse de vouloir obtenir le bonheur. Stupidement, je m'attendais à ce qu'on me l'offre. Et puis, je ne devrais pas te suivre partout. Je suis comme une remorque, ça t'embête et ça me rend furieuse. Je n'aurais même pas dû vouloir avoir cet enfant. Ce n'était pas juste envers toi. Cynthia. 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 Il faut que tu oublies ça. Tu te rends folle, ma chérie. Oui, je devrais oublier. Je devrais rentrer simplement à Paris, toute seule, comme tu le conseilles, et ne pas me rendre folle à attendre ton retour, attendre et attendre. Tu ne vois donc même pas que tu mens. Je ne mens pas. Non. Non, tu ne mens pas encore. Tu ne mentiras qu'après ton départ, quand tu auras découvert que tu ne reviendras pas, mais que tu erreras toujours pour voir le monde entier, quitte à perdre ce qui est notre monde. Tu sais, je crois que je plais à ce danseur de plus en plus. Parfait, tu plais à ce danseur de plus en plus. Ça devrait en principe me faire plaisir, mais ça me déprime atrocement. Est-ce que nous devons l'inviter à notre table et le crois-tu aussi bien élevé et correct que toi? Me demandera-t-il tout de suite si je suis la chérie de Harry? Les femmes choisissent toujours le bon moment pour faire des scènes. Oh, ne faisons pas de scènes, chérie, c'est trop triste. Toi, avec ton ambition, moi, avec mes remords, un tas de choses sont très tristes. Pourquoi les chauds des picadors sont-ils caparaçonnés? Je te l'ai expliqué. Explique-le encore. Ce n'est pas pour que les chevaux ne sentent pas leurs blessures, n'est-ce pas? C'est seulement pour les spectateurs. Pour qu'ils ne voient pas les tripes des chevaux. Oui, c'est ça. C'est pour protéger les spectateurs. J'étais sûr que tu n'aimerais pas les chevaux.
Mais je les aime passionnément, les chevaux. Je sais si bien ce qu'ils ressentent avec leur beau caparaçon qui les protège des spectateurs. Tu devrais me mettre un caparaçon à moi pour te protéger, pauvre chérie. Cynthia, veux-tu être gentille, gentille et te taire, je te prie. Oui. Je ne devrais pas trop parler. C'est encore une de ces choses dont j'abuse. Veux-tu m'excuser une minute? Harry. Ce n'est rien, chérie. Je reviens immédiatement. Envoyez-le tout de suite, je vous prie. Tout de suite, Seigneur Street. La dame est partie, Seigneur. Où est-elle allée? Je ne sais pas, vu qu'elle est partie avec les danseurs. Elle quoi? Elle m'a chargé de vous dire si vous demandiez que ce n'était pas la peine de la chercher. Elle a dit qu'elle ne reviendrait pas, Seigneur. Sahib. Mem Saab Quen de Kupika Nyama Buana. Ah oui. Elle est allée tuer quelque chose. C'est un as pour tuer, c'est moi qui le lui ai appris. Dio Buana. Une réception prend fin au risque de rester seul avec l'hôtesse. Même ça, Bakuja, ça, Sabuana. Hein? Ah oui, la voilà qui arrive. Bon, je suppose que je suis aussi bien avec elle qu'avec une autre. Niowabuana. C'est une femme épatante à tout point de vue. Si je fermais les yeux, peut-être s'en irait-elle. Bien tiré. Oh. Ça va? Ça va. J'ai pas mal tiré. En plein dans l'épaule. Tu tires merveilleusement, tu sais. Comment te sens-tu? Bien mieux. Je m'en doutais. Tu étais assoupi quand je suis parti. Tu veux que je remplace Molo? Non, il veut me raser et moi je voudrais parler. Tout le monde a besoin de quelqu'un à qui parler. C'est l'auditoire rêvé. Comme il ne comprend pas un mot de ce que je lui dis, on ne se dispute pas. Ne nous disputons plus, même si nous nous énervons un peu. Oh, maintenant tu n'as plus à avoir peur de moi. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai jamais eu peur.
Tu m'appelleras si tu as besoin de moi. Bien sûr. Reviens quand tu voudras, quand tu en auras envie. Molo. Dio buona. Mio mimi. Vois-tu, vous autres Africains, vous avez le vrai système pour les femmes, au fond. Une femme vous coûte quelques vaches, ou une babiole quelconque, ou tout ce qui vous sert de monnaie. Et si elle ne vous donne pas satisfaction, vous vous faites rembourser. Nous, nous usons de nos émotions. Et si jamais ça loupe, on ne nous rembourse pas. Devo Yorwana and Gumu Sam. Oui, oui. La barbe du Bwana est très dure. Il y a un tas de choses qui sont dures. Tu sais, fiston, il y avait une autre femme. Et quelle femme! J'ai écrit un livre sur elle aussi. Une autre femme, un autre livre. Il n'y était question ni d'Espagne, ni d'Afrique, ni de rien de ce que j'aimais. Mais dans ce livre, j'avais déversé la fureur que je ressentais, un peu de boue et un peu de gouaille. Juste ce qu'il faut pour amuser les snobs de la Riviera. Et j'avais trouvé quelque chose, mon petit. J'avais trouvé le succès. Nager très bien. Naturellement, lorsque j'ai un but à atteindre. Je voulais vous atteindre, chérie. Et est-ce que vous faites tout aussi bien? Je suis venue vous... Non, Harry! Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez peur de faire fuir les poissons? J'ai peur de vous. Lise la Frigide. Je suis venue vous dire que j'avais modifié vos projets. Vous n'allez pas partir ce soir. Non. Eh bien, restez un peu pour me dire pourquoi vous croyez que je ne pars pas. Parce que vous tournez en rond et ça vous rapporte quoi? Uniquement le vertige. Si vous voulez écrire, j'ai chez moi une machine qui ne demande qu'à être la vôtre. Vous avez plusieurs autres choses chez vous que j'aimerais dire miennes. Je ne peux pas vous laisser partir, chérie. Je ne peux pas vous lâcher. Comtesse, vous êtes sans pareil. Allez, grimpez ici sur le bateau. Oh, je ne peux pas, Harry. Je suis presque nue. Allons, pas de blague, montez. Je vous en prie, mon amour. Pas ici. Lise était insaisissable. C'était peut-être son charme principal. Il fallait lui faire la chasse, la piéger, la capturer. La comtesse Elisabeth. Lise la Frigide. Le semi-iceberg des semi-tropiques. C'était amusant. Bougrement amusant, même. Dites-le, ce serait beaucoup plus poli, cher ami. Pour une fois, les paroles me manquent. Dites au moins que ça ne vous plaît pas. Mais ça me plaît énormément. J'admets pourtant que quelque chose m'étonne. Ça vous ennuie de répondre à une question? Pas du tout. À quelle question? Pourquoi avez-vous besoin d'elle pour ceci? J'admets que c'est rudement agréable de l'avoir sous la main, pour Harry. Oui. Je crois que je ne vous ai pas présenté. Béatrice, c'est le charmant oncle de mon fiancé, Monsieur Swift.
Enchanté, monsieur. Béatrice, il y a une forte dose de divinité dans ce prénom. Dante, vous savez. Oui, cher ami, je sais. Béatrice, êtes-vous divine? Oui, monsieur. Oui, et comment? Dites-moi, oncle Bill. Oh, je peux vous appeler oncle Bill. Vous en prie. Comptez-vous demeurer longtemps avec Harry maintenant que vous êtes revenu des Indes? J'ai bien peur que non. Et vous? Je ne demeure pas avec Harry, c'est Harry qui demeure avec moi. Eh bien, quoi qu'il en soit, c'est sûrement merveilleux pour vous deux. C'est ce que nous pensons. À la regarder encore, une autre question me vient à l'esprit. Aussi intéressante que la précédente? Quand vous et Harry serez mariés, combien d'enfants comptez-vous avoir? Pourquoi ne lui demandez-vous pas? J'y penserai. À propos, où donc brille notre génie en ce moment? Dans son bureau. Il doit être en train de faire quelque chose de constructif. Je me plais ici. Je ne vous dérange pas. Continuez donc. Dites-moi, lui avez-vous donné un nom? Qu'est-ce que vous suggérez? Cérès, la déesse de la fertilité. Vous, madame. Oui? La vendeuse de madame est là. Merci. Excusez-moi. Si vous l'acheviez pour moi pendant mon absence. Oh, tant mieux, entre donc. Maintenant, je peux me reposer. Si tu t'arrêtes, je repars tout de suite. Laisse-moi m'asseoir bien gentiment dans un coin. Belle vue. Elle peut l'être, elle coûte une jolie pincée. Tu as vu Lise? Tu dis ça à propos de la pincée? Non, simplement à propos de Lise. Épouse-la, mon petit. C'est le meilleur remède. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je peux entrer, mon amour. Tiens, tiens, vous êtes partout, cher ami. C'est le seul attribut que je partage avec le Tout-Puissant. Mon ange, faites-vous quelque chose qui soit d'une répugnante importance. Entre nous, comtesse, ça ne pourrait être ni moins important, ni plus répugnant. Quoi, idiot? Je rédigeais une interview de moi-même. Sujet proposé, le succès. Bravo, bravo. Votre dernier livre a encore tiré à 100 000 d'après cette lettre. Ça, c'est merveilleux. Hollywood le demande. Ils disent qu'il voit Garbeau dans le rôle. Bien, ça doit te faire plaisir. Comment se fait-il que j'ai pris l'habitude de m'amouracher de femmes qui ouvrent toujours mon courrier? Vous recevez des lettres tellement fascinantes, chérie. Le Cosmopolitan veut encore une série de nouvelles, et Smart Set aussi. Il paraît qu'ils paieront le maximum. Pourquoi un écrivain se sentirait-il coupable parce qu'on veut lui payer en bon argent la sueur qui coule de son front? On a tort, mon petit. On n'a jamais payé une goutte de la mienne. Non, jamais, excepté quelques libraires et des musées. Qui me rappellent ce que je dois te dire? J'ai décidé de me ranger et de m'occuper de ce musée. Oh, mais c'est des patents, ça. Ce qui veut dire que nous vous verrons souvent, cher ami. Quand vous serez à Paris. Vous pourrez voir mes os exposés parmi d'autres antiquités tous les jours, sauf le jeudi, au musée de l'avenue du président Wilson. Au revoir, mon enfant. Je vais t'accompagner. Bonjour, madame. Mettez-les là. Oui, madame. Nous allons commencer par celle-ci. Je trouverai la sortie. Je suppose qu'on a besoin de toi, là-bas. Pourquoi, diable, ne me fais-tu pas la grâce de me dire la vérité? Quelle vérité? Que tu trouves mon livre ignoble, que tout ce que je suis en train de faire est ignoble. Je suis venu glorifier César, non pas l'enterrer. La plupart des hommes t'envieraient. Tu gagnes merveilleusement ta vie. Tu as pour relation les gens les plus en vue et les plus puissants du monde. Tout ça, et Lise aussi. Tu es jeune, tu es plein de santé, bien balancé. Enfin, pas trop mal. Viens me voir bientôt, mon petit. Oh, Harry. Est-ce que tu as chassé récemment? Non, pourquoi cette question? Dommage. On ne devrait jamais perdre la main pour la chasse. J'avais tout. Et qu'est-ce que j'avais? Mon nom dans les journaux, mon portrait dans les meilleurs magazines. Et où était Cynthia? Monsieur Street. Les gens me demandaient des autographes et me montraient du doigt. Et pourquoi ne me revenait-elle pas? Je finis par lancer un appel au secours, ayant obtenu son adresse en Amérique par Émile. Et ainsi, ma Cynthia chérie, je n'ai jamais été capable de tuer la solitude, mais de l'aggraver seulement. Tous ceux avec qui j'ai vécu n'ont fait que rendre ton absence plus cruelle.
et ce que tu as fait n'aura jamais d'importance. Je ne peux me guérir de mon amour pour toi. Et un jour, devant le Ritz, j'ai suivi une femme que je prenais pour toi. Je suis toutes les femmes qui te ressemblent. Craignant de voir que ce n'est pas toi, craignant de perdre la sensation que cela me donne. Oui. Excusez-moi, je vous prenais pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je connais. Je suis vraiment désolé, je ne savais pas je suis mère d'une nombreuse famille. Et ce sont mes neveux et nièces. Voyons, pourquoi vous ai-je dit cela? Vous n'êtes pas monsieur Harry Street, l'écrivain? Hélas, oui, madame. Ah, je commence à regretter de n'être pas celle que vous croyez. Rien d'intéressant? Le tout venant. Quelques factures intéressantes à régler pour vous. Mais je parle de la lettre que vous essayez de cacher. Ma chérie! Mon trésor! Que je suis contente! Poupi! Oh non! On peut dire que vous tombez à pic. Voyons, je crois que vous ne connaissez pas mon fiancé, monsieur Street. Princesse von Stiefengrand und Piot. Enchanté. Enchanté. En ma qualité de... Asseyez-vous, Charles va vous servir à boire. Mon dévoué fiancé et moi-même étions justement en train d'échanger quelques idées. Ah. Qui est-ce? Cette Cynthia Green? Hôtel Florinda, Madrid. Sans doute une fille qui s'appelle Cynthia Green. Une de vos admiratrices? Pas aux dernières nouvelles. De Madrid. Mon cher et dévoué fiancé a tant d'admiratrices. J'en fais partie moi-même. J'ai dévoré votre dernier roman. Eh bien, j'espère que ça ne vous a pas donné mal au ventre. Cette lettre est tellement importante, Harry. Non, elle n'est pas importante du tout. Bon, elle ne vous tourmentera plus, alors. Excusez-moi. Que je fasse? Je ne te laisserai pas partir. Ah. Je ne te laisserai pas te moquer de moi, Harry. Ah. Tu disais que c'était sans importance. Rien de tout cela n'a d'importance. Harry, écoute-moi. Arrête, mon chéri, je t'en prie, écoute-moi. Je t'en prie, Harry, je t'en prie, écoute-moi. Je t'en prie, Harry, très bien, j'écoute. Je sais que parfois il m'arrive de t'énerver. Oh. Mais parfois tu me tapes sur les nerfs aussi. Oh, oh. Je sais que parfois... Parfois, je ne suis pas à la hauteur. Je connais mes défauts. Mais je t'aime, mon chéri, c'est vrai, je t'aime. Je t'aime autant que j'en suis capable. Et si quelque chose te tracasse sérieusement... Oui, quelque chose me tracasse sérieusement. Alors dis-le-moi. Les premières lueurs, sans doute, du pressentiment que le fait que l'avion est beaucoup plus rapide que le cheval ne signifie pas obligatoirement que le monde est en train de s'améliorer. Non, je veux dire en ce qui nous concerne. En ce qui nous concerne, il n'y a rien qui me tracasse sérieusement. Où vas-tu, Harry? Tu vas à Madrid? J'irai peut-être à Madrid. Je t'enverrai une carte postale. Oh, Harry, que tu as l'air idiot. Quel imbécile. Tu veux être le preux chevalier partant à la recherche du Saint Graal. Tu as peut-être raison. J'ai bien envie de m'offrir une bonne petite recherche de Saint Graal. Fous le camp, Harry! Vous en êtes une autre. Adieu, comtesse. Fous le camp, Harry! Vous en êtes une autre, comtesse. Ma Cynthia n'était pas à l'hôtel Florinda à Madrid, ni nulle part ailleurs. Cette saleté de guerre civile avait réglé son compte à Madrid. En moins de deux, je portais un fusil. Bien malgré moi. Thank you.
Connaissez-vous une conductrice américaine appelée Cynthia Green? Yo no entiendo a usted, señor. Con permiso. Deprisa, nos debemos marchar, porque aquí todo va muy mal ahora. ¡Vamos! ¡Camaradas! ¡Hermanos! ¡Nuestra hora de triunfo y de gloria se acerca! Je voudrais bien revoir New York. Tu es américain, hein? Oui. Je voudrais bien revoir New York, où je vivais quand on m'a entraîné là-dedans. J'ai enfin compris qu'on m'avait embarqué. Tu y crois, ce bourrage de crâne? Non. Qu'est-ce que tu fiches ici, alors? Tu crèverais de rire si je te le disais. Marie, Mère de Dieu, faites que Harry me trouve. Dans ton cœur plein de miséricorde, fais une place à ma prière. Tu es blessé. Oh, ce n'est rien. Oh. 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 Tu es gravement blessé. Ce n'est rien. Pas autant que les chevaux. Je vais chercher du secours. Non, je n'ai rien. Et la brancardier! Tu as cru ce que disait ma lettre? Jusqu'au moindre mot. Et pour l'enfant aussi. Et pour l'enfant aussi. Par ici, brancardier, nom de Dieu! Chérie, chérie, je m'en veux tellement pour l'enfant. Je savais bien que Dieu me punirait. Toi, toi, dans son infinie bonté, il devrait me cracher dessus. Au secours, brancardier! Ici! Ils arrivent. Chérie, chérie, me pardonneras-tu jamais tout ce que je t'ai fait? C'est drôle. Quand tu me touches, j'ai encore le vertige. Même sur le point de mourir, si tu me prends la main, j'aurai le vertige. Tu ne mourras pas. Apúrate! Nos attaquent de nuevo! Ici, ici, ici! Vamos! Ah! Apúrense! Que viene el contraataque! Vamos! Aidez-moi à la soulever! Prisa, prisa! Attention! Je
viens avec toi. Non, tu ne me retrouveras plus. Nous pouvons espérer, vamos. Oh, je vous en prie, attendez. Vamos, vamos, nous pouvons espérer. Vamos, otro poquito, a prisa. ¡No me vuelvo! ¡Cobarde! ¡Al combate con sus hermanos! Monsieur Street, voulez-vous monter? Votre oncle vous attend. Monsieur, je regrette de vous avoir fait attendre, mais il a été tellement malade. Il y a tellement de gens qui l'ennuient. Par ici, monsieur. Là, entrez. Oncle Bill, mon petit. Je suis venu aussitôt que ta lettre m'est parvenue. Mon cher petit. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Un peu malade, pas important. Oh, nous trouverons un bon médecin. Les médecins. Il était plein de bon sens, l'homme qui a dit que si on flanquait tous les médicaments à la mer, ce serait une terrible chose pour les poissons. Mais ne te fais pas de bile pour moi. Avant peu, je serai en d'excellentes mains. Si nous parlions de toi plutôt, tu n'as pas bonne mine. Je vais très bien. Qu'as-tu fait de ta peau pendant toutes ces années? Tu as voyagé? Je suivis le bout de mon nez sans but. Mets-toi, mon oncle. Où? Dis-moi où. Il n'y a pas de quoi se vanter. Oh, je suis allé voir les sept merveilles du monde. Si c'est ce que tu veux dire, ou toutefois le nombre qui en existe. Elles ne sont pas bien merveilleuses. Alors tu n'as pas vraiment vu. Tu n'as pas chassé. Chassé? Oui. Pourquoi chasserais-je? Je fais exactement ce pour quoi on me paye et qu'on me paye même largement. J'amuse le public avec mes petites histoires. Ça, je peux le faire avec ma main gauche, ce qui laisse ma main droite libre pour d'autres choses. J'ai détruit mon talent par pure négligence, par trahison envers moi-même, ce en quoi j'avais foi, par l'alcool, par paresse, par orgueil et par préjugé. Par tout et par rien. Qu'est-ce que c'est que ça, un catalogue de vieux bouquins? Harry. Une fois, j'ai chassé. En Espagne. Pour trouver le Saint Graal. Mais ils ont bousillé le Graal. Ils l'ont bousillé et mis en morceaux. Le Graal? Qui pourrais-je bien blâmer? C'est moi qui l'ai tué. J'avoue que je ne comprends pas. Tu vois, Harry, en ton absence, je t'ai gardé avec moi aussi bien que j'ai pu. Mon dernier, il t'a révolté? J'adore tout ce que tu écris, Harry. Mais tu n'as pas pu le finir. Veux-tu retirer l'enveloppe? Elle est pour toi. Elle renferme le lait que je t'ai réservé. Pour le jour où mes vieux os reposeront parmi les autres reliques ici. Mais je n'ai besoin de rien. Tu en es sûr? Tous les droits d'auteur rentrent bien, c'est le propre de la réussite. Même quand c'est un échec. Ça fait boule de neige quelque temps. Et le propre de la boule de neige, c'est de ne pouvoir aller nulle part, si ce n'est en descendant la pente. Je ne te laisse pas d'argent. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Oh, j'ai longuement réfléchi à ce que je pourrais te laisser. Finalement, j'ai écrit un petit machin. Une devinette. Une devinette? Je ne veux pas que tu la lises avant que j'aie disparu. Parce que tu pourrais me demander la réponse. Et je ne connais pas la réponse. Mais si tu arrives à la trouver, elle te sauvera. Thank you.
avec cette boîte? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une maison très bien. Bonsoir, monsieur. Pas possible. Paris! Oh! Oh, mon petit pote! Oh, mon vieux Harry! Et votre boîte est magnifique! Tout à fait comme autrefois! Tout à fait! Aussi moche! C'est toujours la même boîte et planante! Excusez-moi, c'est abominable! Non, 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 laissez ça, laissez, laissez. Pourquoi alors permettez-vous de tout changer dehors? De quel droit abîme-t-il tout comme ça? Oh, ici, on ne change pas. On ne fait pas d'affaires, mais on ne change pas. Oh, tenez! Regardez, comme avant. Oh, c'est parce que c'est conservé dans une bouteille. Dites donc, Émile, ce serait peut-être pas une mauvaise idée pour nous, vous savez. Au bon vieux temps, quand vous veniez, vous étiez moins amer. Au bon vieux temps. Quand je venais. Vous savez, un certain soir, où j'étais venu, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde derrière soi? Son verre, soudainement. Il faut penser à l'avenir. Mon oncle m'a couché sur son testament. Il a fait un héritage. Oh, formidable! Oh, Harry, je t'adore! Oh, je t'adore aussi, cocotte. C'est une devinette. Le Kilimanjaro, que les neiges revêtent d'un blanc manteau, est un volcan haut de 5893 mètres. On prétend que c'est la plus haute montagne de l'Afrique. Sur le flanc ouest, près du sommet, se trouve la carcasse congelée et desséchée d'un léopard. Quoi? Dans toute cette neige? Ben, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une sale bête qui s'est gelée les pattes, quoi. Ce type est complètement cinglé. Oh, tu parles, il y a quelqu'un. Taisez-vous, attendez une minute, attendez une minute. Et voici l'envoi. Personne ne sut expliquer ce que le léopard cherchait à cette altitude. Et c'est tout? Oui, c'est une histoire qui laisse insatisfait. Ça se termine mal. Mais qu'est-ce que le léopard allait faire là-bas, premièrement? C'est la devinette. Et je gagnerai le gros lot si je parviens à trouver la réponse. Allons, allons, penchons-nous ensemble sur ce problème, cocotte. Il a peut-être pris une fausse piste et suivi de fausses traces. Il s'est perdu et il est crevé. Ah, c'est une réponse extrêmement intelligente, Émile. Pour la bête. Et pour moi. Toi? Vous permettez? Sid? Merci. Je ne fais pas erreur. Vous n'êtes pas Monsieur Harry Street, l'écrivain que j'avais rencontré place Vendôme?
Si, je suis Monsieur Harry Street. Et je me suis perdu. Hé, toi. Mais comme tu es merveilleusement belle. Excuse-moi, ma chère Cynthia. Mais ce soir, j'ai essayé de noyer de nombreuses années de larmes et de soucis. Vous avez besoin de repos, Monsieur Street. Oui, j'ai besoin de repos, Monsieur Street. J'ai besoin d'un tas de choses, Monsieur Street. J'ai besoin de toi. Tu veux boire, Harry? Qu'est-ce que tu dis? Moi, en tout cas, je vais boire. Pourquoi ne pas boire ensemble? Appelle Molo, tu sais que je ne parle pas leur langue. Molo, Indio Buana. Ready, où est-ce que ça va? Indio Buana. Je voudrais savoir à laquelle tu pensais, Harry. Qu'est-ce que tu veux dire par laquelle? Tu pensais à Cynthia ou bien à Lise? Tu veux me faire croire que tu en sais beaucoup. Je pensais peut-être simplement à toi et à moi. Non, jamais à toi et à moi. Du moins, pas de façon vraiment franche. Voilà qui te montre à quel point tu peux te tromper. C'est à notre rencontre que je pensais. Sur le pont, près de Notre-Dame. Quand tu m'avais prise pour ta Cynthia, tu n'as jamais pu me pardonner de n'être pas elle, n'est-ce pas? Tu tiens vraiment à aller au fond des choses. Que pensais-tu d'autre sur toi et sur moi, Harry? Que nous avons eu un début aux petits oignons. C'est vrai, aux petits oignons. Oui, ça, on peut bien le dire. Nous n'étions des gosses ni l'un ni l'autre. Ni moi, ni toi, nous ne nous l'aurions. Pourquoi as-tu soudain voulu venir ici? Tu me dois la politesse de me répondre franchement. Très bien. Je vais être franc. Parce que la raison qui m'a fait venir ici est la base de cette sinistre plaisanterie. Parce que j'ai trouvé la réponse à une devinette. Voilà pourquoi. À propos d'un léopard qui s'était égaré. Et je pensais que si j'avais effectivement suivi une fausse piste et si j'allais périr, je ferais peut-être mieux de retourner à la jungle d'où j'étais parti. Je m'étais plu ici. J'étais sur la bonne route. Et j'espérais la retrouver en y revenant. Pour reprendre l'entraînement. Faire tomber la graisse de mon âme. Comme un boxeur va à la montagne pour faire tomber la graisse de son corps. J'étais sur le point de réussir. Si ma blessure à la jambe ne s'était pas envenimée. Cette infecte puanteur passe tous les soirs. Tous les soirs depuis 15 jours. C'est elle qui fait tout ce vacarme la nuit. Elle ne me gêne pas beaucoup. Tu ne sais pas ce que ce sale Roland vient de me dire. Lienne? Qu'il commence à se faire très tard pour moi. Tu es plein d'esprit. Quelle horloge immonde. Franchement, chérie, est-ce que tu n'es pas... Harry. Qu'est-ce qu'il y a? Je... Ce n'est rien.
Comment te sens-tu? Très bien. Un peu flappy. Tu veux manger maintenant? Non. Un peu de potage t'aidera à garder tes forces. Je n'ai pas besoin de garder mes forces. Ne me dis pas que tu l'ignores. Eh bien, moi, je savais tout. Sauf l'instant où ça arriverait. Essaie, chérie. Hélène. Oui. J'ai envie d'écrire. Je sais. Tu sais vraiment? Je sais à peu près tout maintenant. À part une chose très importante qu'il faut que tu me dises. Harry, est-ce entièrement à cause d'elle que tu as passé les meilleurs moments de ta vie ici? Qui donc? Cynthia, deux fois tu m'as prise pour elle. Est-ce uniquement parce que tu étais plus heureux avec elle? Si tu pensais tout ça, pourquoi es-tu venu? Tu ne le sais pas. Tu as toujours été une femme extrêmement prévenante, prête à m'offrir n'importe quoi. Tu aimais le neuf et le sensationnel. Je ne sais pas, moi. J'ai fait plus que te suivre, si tu veux bien te rappeler. J'ai vu l'éditeur pour te faire obtenir une avance. J'ai dû te mentir, me débrouiller. Pourquoi? Parce que c'était la seule chance qui te restait. Et parce que c'est peut-être une chance pour moi. Je pensais que si j'étais ici, près de toi, si ton travail venait bien et si tu étais de nouveau heureux ici, avec moi, ne me fais pas perdre toute ma fierté. C'est la première fois que je te vois vraiment. Non, tu n'es pas un raté. Simplement parce que tu les as pointés par certaines de tes œuvres, ce n'est pas être un raté sur le plan humain. Tu as apporté quelque chose à chacun, comme tu m'as apporté quelque chose à moi. Tu es une femme épatante. Quel dommage que je ne m'en aperçoive que maintenant. Je t'aime, Harry. Oui, je t'aime de tout mon cœur. Et nous avons toute une vie devant nous. Tu aurais toutes les cartes, tous les atouts contre toi. Le temps nous manque. Nous aurons bien plus de temps que tu ne penses. Parce que tu vas vivre, il faut que tu vives. Plus de temps que je ne pense, c'est ce que tu crois. C'est ce que tous croient. Et ils attendent tranquillement. Ne nous leurrons pas. La porte peut s'ouvrir tout à coup sur le néant. Et la mort me guette depuis un bon moment. Et si un homme n'a pas fait tout ce qu'il avait l'intention de faire... Qui est-ce? Un des gars de la succursale locale de la clinique des maîtres sorciers, je suppose. C'est un sorcier? C'est ça même. C'est l'oncle du garçon que j'ai essayé de sauver de l'hippopotame. Dis-lui de partir, on n'a pas besoin de lui. Il dit qu'il sait que les mauvais esprits m'ont frappé, il veut les frapper à leur tour. Renvoie-le, je t'en prie, il me donne la chair de poule. Dis à Esculape de bien vouloir s'asseoir. Kaiti, Kaiti. Renvoie-le, je t'en prie. Jumbo, buona macuambo. Jumbo, muchai.
mange la racine d'une herbe spéciale pour avoir l'esprit plus vivace. Et maintenant, une bonne petite partie d'osselet. Sans blague, dans ce sac infecté puant en peau de chat se trouve une bonne vingtaine d'os provenant des carcasses de tamanoirs, de tortues, de babouins, de je ne sais quoi. Puis, d'après le motif qu'ils représenteront quand il les aura jetés par terre, il sera capable de faire le diagnostic de mon mal. Vas-y, tu as perdu, Toubib. 421. Aïe. Oh, un homme finit par être fatigué. Molo, Kangoni, dans la tente. Qu'est-ce que tu Kangoni. Vas Dio, tenga sana. Je ne veux pas aller dans la tente. Dans la tente. Oh, la nuit est belle, il ne pleuvra pas. Tu feras comme je te dis. Quelle vie, quand même. Un homme ne peut pas vivre comme il veut. Il ne peut même pas mourir comme il veut. Molo. Mimi na kuja memza. Des soldats morts qui portent des tutus. Dawa teari memza. Afuta kiboko, mafuta bongo. Les zizi kalisana. Excusez-moi, je ne comprends pas. Je voulais écrire un livre là-dessus. Tommy Hadawa. Je voulais. Tchawe, passez-moi à côté Hadawa, même ça. J'ai vu le monde changer. Non pas la planète, mais les peuples. Les peuples changer. C'est mon devoir de l'écrire. J'y ai participé et j'ai vu. De mes propres yeux. Je l'ai vu. Je l'ai observé. Chérie, je t'ai fait mal. Je ne veux pas te faire mal. Bonjour. J'écrivais. Je sais, Harry. Depuis un million d'années. Dis-moi, tu sais prendre sous la dictée? Oh non, je n'ai pas appris. Oh, ça ne fait rien. On n'aurait pas le temps de toute façon. Il semble que je pourrais tout faire tenir en un seul paragraphe, si je trouvais les mots justes. Oui. Oh. Oh, Molo, pauvre fardeau de l'homme blanc. Indio. Indio. Chérie, je n'ai que le manuel de premier secours. Que va-t-il me faire, celui-là? Me saupoudrer de poussière de singe? Chérie. Ou de poils de la queue d'un léopard? Oh, je t'en supplie, essaie d'écouter. Tu m'as dit que dans certaines parties de ta jambe, tu ne sens absolument rien. Du bois. C'est drôle. Ils disent dans le manuel que c'est une sorte de paralysie, les vaisseaux sanguins. Qu'il faut appliquer des compresses chaudes alors, pour maintenir la circulation. Alors, dis-lui de se servir du remède du lion. C'est oh, chérie, ne puissant. Plaisante pas. Même à ses dépens, il ne cherche qu'à faire de son mieux. Et moi aussi, je fais de mon mieux. J'essaie de faire de mon mieux aussi, chérie. Si seulement tu le faisais, Harry. Hélas, hélas.
pauvre Yorick. C'est beau ce que c'est. Affûter une lame. Enfoncer d'un coup sec la pointe de la lame. Y mettre un drain. En Espagne, oui. Perdu en Espagne. Toujours ça. Brancardier ! Laissez-le tranquille ! Brancardier ! Je vais. Ah. Ça va bien. Allez-vous-en ! Allez-vous-en! Chérie! Une sale tête fière. Fière. Chérie, oh. As-tu assez de lucidité pour me comprendre? Bien sûr. Il y a un énorme abcès sur ta jambe. Je vais essayer de le percer. Tu ne sens pas quelque chose d'étrange? Si, chérie. La mort est proche. Est-ce que tu crois qu'elle peut arriver si près de toi sans que je le sache? Je ne les croirai jamais. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur une faux et un crâne? Ça vient d'arriver en trombe. Non pas comme une trombe d'eau, mais comme le vent. Et le plus drôle de l'histoire, c'est que l'hyène, ivre et hideuse, sautillait tout autour. Aide-nous, mon Dieu.
vous en. Ça va bien maintenant. Tokawote, Tokawote. Je ne comprends pas. Allez-vous-en. Johnson. Mais ça alors? Non, je veux dire, regarde l'arbre. Regarde! Je veux bien être pendu. Les sales bêtes. Elles sont parties.